Hey, salut tout le monde, ici Lego Sonic Craft qui est là pour mettre de bonne humeur. Aujourd'hui, on se retrouve encore et encore pour une vidéo de découverte des tests sur un joueur à replay. Alors, je sais pour vous, c'est un peu chiant, mais en tout cas, si vous voulez, on est si vous voulez plus très loin car ça va être un contenu si vous voulez différent. Enfin, pour les prochaines vidéos. Du coup, on va faire si vous voulez. Alors, cette fois-ci, on va faire un test si vous voulez sur leur 10e jeu. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. 9e et le 10e. Ensuite il y a Combat Triangle, bien sûr il y a Snake Road in the World, ensuite Solar German, ensuite Digger T-Rock. Enfin, ça pourrait qu'il y aurait plusieurs vidéos sur ce jeu. Bon, allez, on revient un peu et on va faire si vous voulez Combat Triangle sorti en 1989. Toasty! Toasty! Bien sûr, si vous voulez quoi, depuis que maintenant Rare, ils savent maintenant maîtriser, si vous voulez, un peu la 3D. C'était un jeu maintenant 3D isométrique. Alors, aux commandes de votre hotbar, faites preuve d'agilité pour rejoindre le plus vite possible le plan d'arrivée. Réussirez-vous à relever le défi? En gros, si vous voulez, c'est un peu comme les niveaux, un peu, je crois que Fred il a répondu que c'est comme une sorte de long couloir. En gros, en fait, c'est que si vous, en fait, vous allez, si vous voulez, tout droit, et vous essayez d'atteindre le l'arrivée. Alors terminé tout le niveau, j'ai exécuté au total 500 virées de victoire, récupéré 100 flotteurs pour... bref. Link Control. Alors, ok. Alors, accélérer, B c'est pour tirer, X c'est pour utiliser un power-up. Ok. Ah, et A aussi c'est pour accélérer. Bonne chose à savoir. Vie limitée, non. Et ben allons-y et n'oubliez pas une nouvelle partie. 1988 alors qu'il est sorti en 1989 hein. Quel bug. Combat Triangle. Et allons-y. Je viens avec mon petit hélico. Là, si vous voulez, je tourne avec le joystick. Là, c'est pour accélérer. Ah, et B, c'est pour tirer. Ça... On va aller à Go Fast. On est Go Fast. Alors bien sûr dans ce jeu là c'est que tu sais que bon vous pouvez spammer par contre vous pouvez pas maintenir. Du coup pour le faire et pour que ce soit plus confortable et pour spammer je maintiens la touche RT. Oula il y avait un requin j'avais pas vu. Il y a des requins partout. Oula yolo yolo bitch yolo bitch je le colle contre le mur et voilà. Je m'en fous, moi, je vais à la vitesse. Et voilà, on a réussi. Et voilà. Là, ça peut se jouer dans un style un peu genre Mario, car il faut aller. Oula. Colle poops. Oula. Par contre, c'est ultra sensible. Hein. En gros, si vous voulez, pour vous déplacer, faites plutôt des petits à-coups. Yolo, yolo. 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 Bon moi je fonce tout droit, hein, je m'en fous hein. Bien sûr on a enfin encore la Go Fast.
Aouh, ça fait mal. C'est quoi si je tire? Ok, rien du tout. Hop, hop. J'ai perdu? Ah non. Dispose of the mine. Oh, des mines! Oh, j'ai des missiles! Trop génial! Oh, yolo! Attends. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut prendre les mines! Hop, je prends les mines! Oh non! Ah, le problème, c'est que lui, il va vite! Bon, bah, c'est quoi? On essaie de le défoncer! Yolo! Yolo, 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 yolo. Et voilà, oui. Oups. Par contre, la musique, elle est pas mal. Hein. Je veux le défoncer, casse-toi. Yep, yep. Et voilà. Bien sûr, au cas où si vous prenez une mine dans ce niveau, éloignez-vous aussi vite, sinon vous allez péter. Yolo, 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 on fait des virages, on le couac, allez yolo, yes, et voilà, hé. Oh oh, 4 secondes, vite, la dernière mine. Yes, et voilà. Ouh, ouh, à 16 secondes près. Suivant. Ah ah! Veuillez m'excuser une minute. Je reviens tout de suite. Ellipse. Vous foutez de moi, hein? Ouais, chers amis, veuillez m'excuser. C'était ma mère qui m'appelait pour faire les poubelles. Gallo. Teste-toi. Ok, ok. Mais la gomme, mais la gomme, non! Attends. Comment je fais? Oh, tourbillon, 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 tourbillon. Par les tourbillons de la mort! Non, 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 non. Game over. Ah, la vache! Continue, continue, continue! Attends, comment je fais pour les buter? Ah, ça démarre bien déjà. Casse-toi le tronc de Dieu! Ah! Ah! Blanc. Merde. Pas les tourbillons de la moule. Non mais arrête. Ah mais il va me... ce jeu. Enfin, ce level plutôt. Allez, je veux bien réussir. Esquivez. Esquivez. Rien, ça commence à me casser les couilles une bonne fois pour tout. Ah.
je pète ta mère. Oh, pff, merde. Pff, putain, mais vous voyez que je te le fais, il est vraiment chaud, quoi. Non, autre sens. À la dernière minute. Ah ok, je suis un peu... Ah non, ce jeu est vraiment trop dur, quoi. Hein. Enfin, c'est un... Pas un deuxième jeu de merde, mais un tout petit jeu de merde. Ah putain. Oh la vache, hein. Aux commandes de votre bord, faites preuve d'agilité pour jouer le plus vite. Si lui... Putain, ça rend trop dur là, j'en peux plus. Puis en plus, je crois que j'étais qu'au troisième niveau. Attends, ça doit être au troisième, quatrième, mais trop dur celui-là. Puis en plus, si vous avez compris, par contre, dans ce jeu, le boss final, c'est vraiment un serpent de mer, quoi. Mais oui, c'est celui-là. Allez, donc si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si c'est déjà fait. Et aussi, alors au cas où je sors cette vidéo, bah mon ami Skadravé, il a sorti le 4ème épisode de son premier let's play qui est Jeff Forge Emily. Ou si il est, je suis son moteur. Donc voilà. Alors profitez d'aller voir. Donc le lien de sa chaîne sera en description. Et je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !